Un peu après minuit, et le Virginio Fasan, une frégate de la marine italienne, est en mission de sauvetage. Cette nave Fasan si sta approcciando al mercantile Leonard Tide per recupero e trasporto naufraghi. La frégate italienne vient prendre en charge plus de 700 personnes récupérées à bord d'un navire en détresse. Ces personnes avaient décidé de tenter la dangereuse traversée depuis l'Afrique du Nord vers la côte italienne. Elles viennent de Syrie, de Somalie ou d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Ce sont des réfugiés, des demandeurs d'asile ou des migrants. Les femmes et les enfants montent les premiers à bord. Les plus jeunes n'ont que quelques mois. Tous seront pris en charge. On leur donnera à manger, à boire, de quoi s'abriter et des soins médicaux nécessaires. En moins d'un an, plus de 130 000 personnes y ont tenté la traversée ont été secourues par la marine italienne. Celles-là ont eu de la chance. Plus de 2500 personnes sont officiellement mortes, noyées en cherchant à gagner les côtes européennes au cours des 9 premiers mois de l'année 2014. On ignore cependant le nombre réel de celles qui ont quitté l'Afrique pleine d'espoir pour finalement disparaître en mer. Stand by the nave Fasan. Aux premières lueurs de l'aube, le capitaine du Virginio Fasan, le commandant Marco Bagni, s'adresse aux 160 membres de son équipage. So che tutti quanti voi siete molto stanchi. Vi chiedo ancora uno sforzo, ma dovremmo fare anche spazio per altri circa 270 naufraghi. Vi invito a lavorare con calma, con serenità, con la professionalità che avete dimostrato ieri. Ceux et celles à qui ils portent secours fuient les conflits, les atteintes aux droits humains ou la misère. S'ils veulent gagner l'Europe, ils sont contraints de traverser la Méditerranée. Parce que les gouvernements européens ont fermé la plupart des frontières terrestres. Nombre d'entre eux embarquent en Libye. De là, 500 km d'eau les séparent de la sécurité ou de la vie meilleure dont ils rêvent. Person from Syria or another country, don't take this way. This way is very dangerous. Sometimes I feeling I will die, yes. Organisé par des trafiquants d'êtres humains sans scrupules, le passage peut coûter plus de 1000 dollars par personne. Les gens sont entassés sur des bateaux vétustes, souvent sans équipage compétent, sans gilet de sauvetage, sans appareil de navigation, sans nourriture, sans eau, parfois même sans structure pour se protéger des éléments. Seuls, les plus chanceux survivent. Person in Libya, very disgusting person. They take money from all these people and put in him in sea. Maybe live or die, don't care. If you don't see ship, maybe die, all die. We have children and women. On the boat, it's about 200 Syrians, about half children and women. Moussa, un demandeur d'asile originaire de Côte d'Ivoire, a réussi à atteindre la terre ferme. Il préfère ne pas être filmé. Lui aussi a embarqué en Libye. Nous avions déjà signé que nous sommes morts parce que notre bateau était percé, l'eau rentrait. Ça allait des bidons. Nous avions commencé à vider l'eau. Ils étaient 69 à bord d'une fragile embarcation. Trois d'entre eux sont morts avant qu'ils ne croisent un navire marchand qui leur apportait secours. Mais l'équipage ne savait que faire des rescapés.
ils ont décidé de nous ramener en Libye. Nous les avions supplié et ils nous ont dit dans ce cas, nous sommes le Malta et l'Italie. Ils vont appeler ces deux nations. Celle qui va nous accepter, ils vont nous amener. Mais si ces deux nations nous refusent, ils n'auront pas de choix que de nous ramener en Libye. Plus tard, ils sont venus nous dire que l'Italie a donné son accord. Face à l'indignation générale provoquée par plusieurs naufrages survenus au large de l'île de Lampedusa, qui avait coûté la vie à plus de 500 personnes en octobre 2013, l'Italie a été contrainte d'agir. Peu après, elle a lancé une opération baptisée Mare Nostrum, Notre Mer. Ce dispositif de recherche et de sauvetage, qui fonctionne 24 heures sur 24, coûte actuellement environ 300 000 euros par jour. Ad oggi Mare Nostrum è un'operazione che richiede un sacrificio, un impegno estremamente elevato. C'è una continua richiesta di concorso da parte degli altri stati membri dell'Europa, ma soprattutto di altre marine che diano il loro contributo in mare nelle attività di soccorso. Prepararsi ad assumere il ruolo manovra. Prepararsi ad assumere il ruolo manovra. Les personnes montées à bord du Virginio Fasan débarqueront à Naples, sur la côte ouest de l'Italie. La Grèce, l'Espagne et Malte ont accepté de recevoir certains de ceux qui sont parvenus à traverser. Mais dans leur immense majorité, les rescapés finissent ici. Et cette marée humaine ne cesse de monter à une vitesse alarmante. L'Italie souhaite que l'Union européenne prenne davantage sa part du fardeau. Il y a urgence. L'Italie a annoncé qu'elle pourrait mettre un terme à l'opération Mare Nostrum d'ici fin 2014 pour des raisons de coût. Que se passera-t-il après ? Frontex, l'organisme de contrôle des frontières de l'Union européenne, devrait théoriquement prendre le relais et assurer les opérations de recherche et de sauvetage en mer. Certains doutent toutefois de sa capacité à mener à bien cette mission. Amnesty International exige que tout nouveau dispositif ait pour mission de patrouiller en haute mer et soit doté de moyens lui permettant de s'en acquitter, et que soient mises en place des voies légales et sans danger permettant aux personnes de venir en Europe. Les dirigeants de l'Union européenne doivent respecter les obligations qui leur incombent en commun. Pour commencer, en sauvant des vies.